Hey, je suis de retour à Rappeur Plus de chassons des mondes en univers de choses trucs. En fait, c'est avec une édition spéciale, fait que bienvenue à l'édition spéciale. Aujourd'hui, on va chasser un Lao Shanlong. Sauf que, pourquoi c'est spécial? Parce qu'on est dans Frontier G. Et je voulais faire un petit tour, un petit peu Ben, je voulais faire qu'est-ce que je fais normalement avant de commencer. Fait que, dans le fond, on va faire un tour, si on veut. Il y a des monde qui connaissent déjà le tour, mais il y a des personnes, beaucoup, qui savent pas comment c'est fait. Fait que je me suis dit, on va faire un tour. J'ai-tu été dans la bonne ville? Ah oui. HP plus 10 et Stamina plus 50. Ah, fuck des shit, ça me tente pas de chercher d'autres choses. Dans le fond, tout ce que je voulais, c'est un Stamina. Puis en fait, on va chasser un HR17 Lao Shanlong. Fait que c'est environ ça. Et en passant, on peut changer le décor de la maison, mais pas le décor de même. Juste l'apparence. Je sais qu'on a des 7, sauf que ça nous coûte des points. Je sais pas si on en gagne, par contre, quand on paye pas. Et en passant, si vous voyez en haut à droite, il y a comme des petites écritures. Ça veut juste dire que il y a ces nouvelles choses-là qui sont arrivées. Et ça me spam de tout ça, ce qui est de la schnapps. Est-ce que c'est là-dedans? Faut que je regarde. Hey, je le sais tellement plus. Non! Non! Je sais plus c'est où ce qu'il fallait que j'aille voir! I do not remember! Oh jeez, non, ça c'est toutes les affaires qu'on a! Ah! Je suis rang 250! Congratulations! Sauf que le problème c'est pour continuer d'avancer, il faut que je paie et ça me tente pas de payer. Je suis cheap demain. En fait, ça doit être au lit. J'ai juste de me rappeler ou pas. C'est pas où le lit? Non, non, je veux pas parler à Okimi. Okimi fait son linge comme d'habitude. Okimi, arrête de dormir s'il te plaît. Lève-toi, je veux bien te lever. Non, tu ne veux pas te lever. Je veux juste montrer ça. C'est parce que je veux pas changer normalement. Non, je veux pas te parler en fait. Je m'en sac de toi. C'est un petit peu méchant ce que je viens de dire. Mais c'est ça qui est ça. Ok, on a des millions d'infos, mais je pense que c'est pour aller dans le monde des rêves. Et je ne veux pas aller dans le monde des rêves. Ça, c'est-tu dans le coffre? C'est-tu... Ok, non, ça c'est mon... fuck des shit, ça me tente pas de chercher. Je me rappelle plus c'est où. Fait que je m'en vais. Je sais qu'on peut changer le décor avec les points qu'on gagne. Ça, c'est juste pour pas grand-chose. Comme ici, regardez ma superbe décoration. Voici où c'est que j'accueille tous mes amis. Fait que j'en ai pas. Fait que je m'amuse avec ces petites marches-là. Ma petite glissade très sécure pour les fesses. Fait que, ouais, c'est environ ça. Maintenant, on va aller dans ma ferme. Il faut que j'aille... je sais plus trop faire quoi. Faudrait-tu que je me pérenne du miel? En fait, normalement, je passe pas dans mon salon pour amis, là. C'est la seule chose que je fais pas, que je fais différent. Fait que, on va faire ça. On va prendre le miel, I guess, et yay, yeah, ça m'en a donné! Ah, ben, c'est juste parce que je n'ai acheté, j'ose croire. Fait enfin, vous pouvez essayer de skipper. Oh, qu'est-ce que tu me veux, mon bitch? Qu'est-ce que tu veux, Maelstrom? Tu veux que je te caresse les fesses? Non? Tu veux que je te prenne? Ok, tiens, je te prends dans mes bras. Ah, oh, il est-il pas heureux maintenant? Je m'en vais le sacrer dans le puits. Ah, oh, je peux pas le sacrer dans le puits, c'est-il pas triste? Mais enfin, bref, voici la version... la ferme. Et comme j'ai dit, si vous voulez voir le Lao Shanlong, on va y arriver un jour, inquiétez-vous pas. Va nager, va te nayer, mon cher, s'il te plaît. Non, tu veux pas te nayer, ça me tente pas de te nourrir non plus. En passant, la raison pourquoi c'est des points d'interrogation, c'est parce que j'ai caché les noms, parce que... C'est tellement impossible de trouver du monde, un serveur vide sur Frontier. Fait que c'est un petit peu ça que j'ai fait. J'ai caché tout le monde. Environ. C'est ça que ça veut dire. Fait que là, ça va faire l'impression qu'on est tout seul. De toute façon, je joue pas avec les autres. Oui, t'es pas contente, ma chère. Elle est là. Fait que toi, faut que je te parle. Faut que je me prenne mes points. Si je me trompe pas, faut que je te spam jusqu'à temps que tu me donnes les points que je t'ai pas fait. Fait que s'il te plaît, donne-moi mes fucking points! À moins que ça fasse trop longtemps. Oh my Jesus, ça faisait un bout que je t'ai pas allé. Je viens de me faire 31 points. Je pourrais quasiment me faire d'autres choses. C'est-tu là? Yep, et plus 2 points. Ok. Est-ce que je devrais m'acheter des choses à Pougies? Là est la question. Il me reste une affaire, là. C'est quoi qui me reste, déjà? Ça, c'est mon Poogie. Mon Poogie est level 7. Et c'est pas très bien que ça ait level 7. Ici, l'option, c'est les costumes de Poogie, si je me trompe pas bien. Et ça, c'est pour avoir un deuxième Poogie. Ça veut quoi? Je vais m'acheter... Ah, ou pas? Ah oui, non, c'est ça. C'est pour m'acheter un deuxième Poogie. Fait que, tiens, je vais le faire. Est-ce que c'était vraiment ça, l'option? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que ma mémoire est pas bonne?
Attends, tape. Ah non, c'est vrai, il vient pas tout de suite. Never mind, va falloir attendre une journée. Vous le verrez probablement pas, mon Poogie qui va arriver. Oui, ça bien là, j'ai su y répondre à la perfection. Maintenant, faut aller voir les chats. Et Hidden, ça a bien l'air. Juste pour aller chercher. Seule chose que je fais ici, c'est aller chercher ça. Peut-être qu'on devrait aussi. Et aussi, j'ai pas ma grande épée dans mon dos parce que je l'ai cachée aussi. Parce que je suis méchant de même à cacher mes choses. Fait Hidden. Ah, t'es là, Hidden. Mais semble que t'as grandi depuis la dernière fois et ça. On a perdu des frames ici, ça a bien l'air. En changeant la caméra, ça a fait bugger les frames, on dirait. Excusez-moi pour ceux qui ont mal à la tête en ce moment, ça a dû pas aider. Nami est là-bas. On va l'ignorer complètement. Puis on va se retourner sur la map. Faut que j'aille à Forge. Parce que peut-être que je vais prendre une autre arme. Parce qu'on s'en va faire un Lao Shanlong de rang 17. On s'entend, on n'aura aucun problème. My god, que ça a bugué là. Mais c'est pas grave. Ça va toujours avoir de la misère. On dirait que mon ordi a de la misère enregistrée. Voyons, Frontier. Cheese, je l'ai. Fait qu'on est rendu dans la shop, à shop des shops, et je vois pas en détail, by the way, c'est un petit tour rapide que je vais voir, et je m'en vais même pas chercher les bonnes choses. Je voulais juste voir les armes que j'ai. Mettons que je voudrais prendre cette arme-là. Ah, savez-vous quoi? On pourrait quasiment prendre. Attendez une seconde. Non, ça c'est pas la bonne chose, ça non plus. My god, c'est là, gros niaiseux. Je l'oublie tout le temps, je sais pas pourquoi. Je pourrais prendre ça. Ça fit avec mon armure. J'adore comment il essaie de nous le montrer, mais on le voit pas. Moi, je sais exactement c'est quoi. Je pense que je vais prendre mon Sword and Shield juste pour le fun pendant qu'on va chasser un superbe Lao Shanlong. En plus, on va avoir Okimi et Nami avec nous autres. Fait qu'allons-y, je pense qu'on est dû pour aller dans la quête. Fait que, ouais, hein? Je vais essayer de prendre un print screen aussi. Vu que je suis pas sur Steam, va falloir que je fasse des plus de complications dans ma vie. Je pense que j'ai tous les items que j'ai de besoin. J'ai pas besoin d'aller là. Fait que, bonjour, ma chère. Nous allons chasser un superbe Lao Shanlong. Édition spéciale. Non, pas vraiment. Il n'y a rien de spécial à propos du Lao Shanlong. Attendez une seconde. C'est ça? Ah, ok. C'est là. Je sais pas pourquoi je pense tout le temps. Un en haut d'où c'est que je veux aller. Puis, je suis tellement perdu dans mes affaires. Fait que allons tuer un Lao Shanlong. Et pour ceux qui savent pas. Attendez une seconde, je pourrais vous montrer. By the way, à partir d'ici, le bleu, dans le fond, c'est qu'est-ce qui est pas payant. Si on veut, vous pouvez jouer gratuitement. Et si je vous montre la majorité des quêtes, il y en a en masse. C'est sûr que. Genre, si vous voulez chasser ce genre de monstre bizarre là, étrange, eh bien c'est HR100. À partir de HR100, ben c'est payant. Fait quoi, hein? Ça, c'est les quêtes Event, by the way. Je sais pas ce que j'essaye de montrer. Qu'est-ce que. Jinuga! Zinogre! Qui est récemment sorti dans Frontier. Eh bien, c'est ça, il est HR100, ça vient là. Je l'ai pas vu dans les autres quêtes, mais j'ai pas vraiment cherché non plus. Parce qu'honnêtement, on le connaît, Zinogre. C'est sûr qu'il est différent un petit peu dans Frontier. Puis j'imagine qu'ils vont tellement le complexer, ça n'a pas de bon sens. Une chose que j'aime pas sur Frontier, c'est plus le nombre d'heures qu'il faut que tu mettes dedans si tu veux y jouer. Et il faut que tu payes aussi. C'est un jeu, c'est qu'il faut que tu... l'affaire, je l'avais caché l'affaire en bas. Ils veulent plus le cacher. Au moins, j'ai caché les noms, comme vous pouvez voir. Hey, il y a une Sword and Shield aussi. En tout cas, enfin bref, on va pouvoir partir en quête. Puis je pense que normalement, c'est là que je vous rejoins. Que je fais la vidéo dans Frontier. Puis ça faisait un bout que j'avais pas fait une vidéo de Frontier. C'est sûr que j'essaie de compléter Freedom Knight. Sauf que j'avais plus de motivation pour Frontier aujourd'hui parce que... J'étais allé voir qu'est-ce qui avait changé. Pas grand-chose a changé, mais en fait, il y a des choses à changer. J'adore comment on a vu mon aura. Ah, parce que je vais avec OP en plus. Oh my god, il y aura aucune chance là-haut, Shanlong. Parce que généralement, quand ça fait un boost que t'es pas allé sur Frontier, il te donne des boosts, j'ai l'impression. Ou c'est juste les boosts qui te donnent généralement, qui s'accumulent, je ne sais pas. En tout cas, t'as des boosts. Et c'est ça. Notre ami Lao Shanlong, c'est pas un monstre qu'on ne connaît pas, mais c'est un monstre qui fait chier. En passant à la version HR100 et plus, dans le fond, en tout cas, les versions plus dures de Lao Shanlong, il va plus vite. Et croyez-moi qu'il va plus vite. Et c'est plus intéressant aussi, parce que c'est sa lenteur qui fait en sorte qu'il est vraiment... Mais enfin, bref. Sérieusement, si vous demandez en Jen Moran ou Lao Shanlong, je ne sais pas qui choisir. Darren Moran est moins pire que Jen Moran, fait que je dirais Darren Moran, c'est sûr. Sauf que Lao Shanlong, quand il est rendu plus rapide... il s'en va détruire le fort assez vite, marcé. Puis il fait schnapser en mots, t'as dit. Mais la bataille est plus intéressante, faut vraiment que tu saches plus qu'est-ce que tu fais. Tandis que là, quand il est là, ben t'es comme, est-ce que je fais bien ma job? Parce que tu le sais pas si tu fais bien ta job. Fait que c'est environ ça. Et c'est ça mon épée que j'ai en ce moment. Oh, j'ai les contrôles de PSP, ça vient là, je les avais changés. Merci Nami de me faire ça.
Et au cas que vous auriez pas remarqué, j'ai déjà la vue cinématique. Ah non, oh ouf. Je pensais que j'aurais pris ma superbe poche. Est-ce que depuis qu'il y a ça, est-ce que j'avais fait une vidéo depuis qu'il y a ça? J'en ai aucune idée. C'est une très good question. Enfin bref, peut-être que j'avais fait une vidéo. En plus, on a un gunner avec nous autres. Hey, c'est pas parfait. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a une life powder que je vais prendre avec joie. On a des... ça que je vais pas prendre avec joie parce que honnêtement, je m'en fous un peu. On va prendre les anti-dragons de bombe parce qu'il faut aller sur son dos, le briser. Parce que la bataille, est pas, même si dans Frontier, elle est pas plus différente que les autres. Fait que c'est ça. C'est ça aussi que le monde a tendance à pas voir. C'est parce que dans Frontier, il y a des choses comme les anciens Monster Hunter, si on veut. Il y a des éléments de Monster Hunter, mais il y a des éléments flashy, si on veut. Puis le monde a tendance à vouloir, genre, haïr. En tout cas, les Japonais ont l'air d'aimer le jeu, considérant le nombre de personnes qu'il y a dessus Frontier. Honnêtement, quand il y a, mettons, il y a Monster Hunter 4U qui est sorti, il y avait moins de monde sur Frontier. J'étais allé voir, sauf qu'il y en avait quand même pas mal. Et maintenant, il y en a encore plus que quand 4U venait de sortir. Puis je parle en Japon, au Japon plutôt. Quand 4G, dans le fond, est sorti. Fait que, ouais. Mais maintenant, ça donne que c'est ça. Mais ici, dans l'Ouest, où c'est qu'on n'a pas Monster Hunter Frontier G, il y a beaucoup de personnes qui hate sur Frontier. Et honnêtement, je peux comprendre des affaires là. Tu sais, c'est sûr que les monstres ont l'air flashy, sauf que les monstres dans Frontier sont les nouveaux monstres plutôt, parce qu'il y a des anciens comme la Ocean Long ou... Ben, la Ocean Long était déjà faite pour être à plusieurs, en fait, parce que dans le premier Monster Hunter, on pouvait juste le chasser en ligne. On pouvait pas le chasser hors ligne. Fait que c'est un petit peu normal. Mais... genre, un Yann Kotku, c'est fait... Tu sais, c'est quand même fait pour être soloé. C'est fait pour le single player un petit peu. Tandis que les monstres de Frontier qui sont créés juste pour Frontier sont plus concentrés sur le multijoueur. Ils ont des attaques qui vont vraiment partout. Puis, c'est fait pour que... travail d'équipe, mais à la Monster Hunter, si on veut. C'est différent. C'est sûr que c'est pas pour rien qu'ils nous donnent des personnages. Tu sais, des chats, puis des ordi. C'est pas pour rien qu'ils nous donnent ça, c'est parce qu'on en a besoin dans un sens, pis on a même Eden là. Parce que les monstres sont assez OP. Mais qu'est-ce que j'aime pas de Frontier, c'est justement le formage. Et c'est pire que tous les autres Monster Hunter, le nombre de kills qu'il faut que t'ailles pour avoir des choses. En tout cas, faut vraiment que tu passes ton temps là-dessus. Surtout qu'en plus, qu'il y a des choses qui commencent à HR500, je suis même pas à HR500 encore, pis j'ai mis beaucoup de temps dedans. C'est sûr que je me suis pas concentré à monter mon rang. Je me concentrais à me faire du fun, pis les quêtes me prenaient du temps parce que je jouais tout seul aussi. Fait que c'est ça, qui est ça. Bref, on s'en... Bonjour Poogie, où c'est que t'es? Mon cher, tu veux pas me laisser mon shiny? Laisse mon shiny, Poogie! On voit juste sa... son genre de... de fuck! Je pense que j'ai désactivé mon Poogie aussi, ça se pourrait-tu? Enfin bref... je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. On va voir comment que le dommage que j'y fais en lui frappant sa tête. Ça devrait pas être aussi OP, là. Je ne suis pas à un stade où c'est que je dis que... mettons qu'on aurait triché puis que je ferais un peu de 13 000 de dommages. Je fais... oh my god, j'ai un élément de poison là-dessus, moi. Ça va tellement me servir à rien contre un Lao Shanglong. Mariga, c'est pas grave. Ok, fait que je vais essayer de me rappeler des boutons. À date, ça a l'air d'être des boutons de PSP américains, ce qui est bizarre. À moins que je les aille setupés la dernière fois puis je m'en rappelle juste pas. Ok, fait que je suis loin d'être OP parce qu'il n'y a pas eu il n'y avait pas eu cette animation-là encore. Fait que c'est bien. Maintenant, on a brisé sa face. Mais je sens qu'il va avoir de la misère quand même. Parce que j'ai quand même une Sword and Shield et j'ai brisé sa face assez vite, merci. J'ai l'air comment cet ordi-là est comme... yep! C'est un beau Lao Shenlong qu'il y a là. Attends une minute, faut que je sois plus proche. Yep! C'est bien, ça marche pas. Hein? Tu trouves ça... tu sais, Okimi, il fait quelque chose au moins. Toi, t'es un gunner. Merci, il était temps que tu fasses quelque chose. Gros bitch! Et il est en mode rage, yeah, mode rage. Et on va prendre sa photo quand il va être sur ses deux pattes, en fait. J'ai quasiment le goût de le laisser avancer pour qu'il se dépêche. En fait, je vais tout le temps le mettre en mode rage. Parce que je vais le faire tomber une fois. C'est ça mon deal. Je le fais tomber une fois sur son bidon. Et ça vient l'heure que j'ai perdu du tranchant, mais je m'en fous un peu. J'ai Mind's Eye avec cette armure-là. C'est comme une armure trop puissante à mon goût, parce que, ouais, en tout cas. C'est pas grave, on va finir bientôt. Bientôt! Enfin, je sais pas trop quoi. Bon, il est tombé. Tomber, c'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire souffrir. Fait que, mettons que je veux aiguiser, faut que je fasse ça de même. Ok. C'est bien. Je me parle tout seul, by the way. Et voilà.
J'adore comment ses sourcils bougent. Oh là, au champ, là, ça fait comme tout, tout, je bouge. Fac, j'aiguise mon âme. Et je suis posé d'avoir un aiguisage rapide, ce qui est vrai, je l'ai. Regardez-moi l'horloge, comment qu'elle est. Il me semble qu'elle a changé depuis la dernière fois, puis elle est plus belle, si on veut, la cloque en haut à gauche. Mais enfin, bref. La map aussi est plus belle, mais ça, c'était, ça avait déjà changé. Si je me trompe pas, on est supposé d'avoir. De pouvoir monter. Non, c'est pas comme ça qu'on monte. C'est comment qu'on monte. C'est supposé être comme ça, ok. Et si je me trompe pas, il y a les éléments de For You qui est rentré, fait qu'on peut monter plus vite. Attends une minute, faut que j'apprécie le fait qu'ils ont mis ça dans Frontier maintenant. Oh yeah! Oh yeah, attends une minute, faut que je vois si aussi on peut monter plus vite. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'avais pas revenu sur Frontier, il faut que j'essaie des choses en même temps que je fais la vidéo. Mettons qu'on pèse sur le R, on monte plus vite, mais ça fait rien d'exceptionnel. Faut juste monter plus vite. Ok, c'est bien. Et je peux-tu sauter et faire des attaques? Non, je peux pas sauter et faire des attaques. C'est triste. Ils ont pas mis ça encore. Faut rien de le tuer sans que je chaille là. Hey! Il y a un superbe. Une superbe montgolfière là-bas. C'est-tu pas magnifique? Savez-vous quoi? Je vais aller les attaquer à la face un petit peu, juste pour, tu sais, quand même. Faut pas abuser non plus. Faut quand même que je fasse du dommage. Mais on s'entend que j'ai des équipements de HR 100 et plus. Et c'est un. C'est comme si je m'en irais tuer un monstre low rank avec de l'équipement de G-rank. C'est environ l'équivalent que je suis en train de faire. Hey, il faut que je monte en haut! Et by the way, normalement avant, quand on est avec mon autre configuration que j'ai... Oh my god, le lag qu'il y a eu là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Le lag, le frame drop, on a toujours des frame drop en ce moment. Ah, ça n'a pas de bon sens. Nami, que fais-tu, Nami? Et c'est bien là que je peux bientôt utiliser ça. En plus, c'est vrai, j'avais oublié. Et je peux l'utiliser maintenant. Fait que mon cher là-haut, Shang-La... Ah, enfin, les frames sont revenus comme qu'ils devraient être. Est-ce que tu vas te lever sur tes pattes? Non, tu te lèves pas sur tes pattes. Pourtant, j'ai fait attention. Je voulais... Oh my Jesus, hello! Que tu aies une belle face, mon cher. Est-ce que je devrais sauter? Je vais attendre... Ah, oh, fuck des shit. J'aurais tellement pas dû. Oh, attends une minute! J'ai le temps de remonter. Je suis sûr que j'ai le temps de remonter. Let's go! On est capable! On est capable! Cours! Non! Non! Il s'enlève! Non! Mais maintenant qu'on a la chance de... Attends, il va crier, je pense? Non, non, il fait juste se relever. Ok, on a le temps, on a le temps. Go! Go! Monte plus vite, mon bitch! C'est une course contre la montre. En fait, j'ai en masse le temps, finalement. J'ai eu le temps de sauter en bas puis de revenir. Comme quoi, c'est plus rapide monter maintenant. Normalement, j'aurais jamais eu le temps. Ça prenait ben trop des millions d'années. Hey, attendez une seconde! Ok, non, c'est ça. Ouch! J'ai reçu une rush sur ma fucking face. Comme si je dépasse joyeusement. Comme si ça allait changer quelque chose que j'utilise les super bombes. Tu sais, mes ordis sont en train de le tuer sans que j'aille à refaire quelque chose. C'est pas nice. Je viens d'envoler sur mon cul. Je vais attaquer sa queue juste pour le fun. Ah! C'est quelque chose qu'il faut. Oh my god. Ouch. J'aimerais me faire comboyer par sa queue démoniaque. C'est une grosse queue qu'il y a là. Évidemment, il faut se faire attaquer par la queue. J'avance en donnant un coup. Et honnêtement, je veux qu'il se rende le plus loin possible à la fin pour justement qu'on aille... T'as vu quoi, on va l'utiliser, ça? Oh, gang de bitch, je m'en vais tout vous tuer! Oh! On va dire... Oh, ça a un superbe effet. Il me semble qu'il savait pas cet effet-là avant. Peut-être que ça l'avait, j'avais juste pas... Ah oui, c'est à cause de qu'est-ce qu'on a comme élément. Never mind! Parce que moi, normalement, ça faisait la superbe élément d'électricité avec la grande épée. Et je trouve que c'est bien plus awesome avec les Sword and Shield quand on l'utilise. On est genre full flashy, on brille comme ça, on a point de bon sens. Oh, le monde qui se connecte sur Skype et des Skype, ça ne finira jamais. Je ne parle même plus... Pourquoi il est ouvert mon Skype? C'est une bonne question. Tu sais, quand j'ai... En tout cas, je sais pas. C'est une question que je me demanderai chaque jour. Ah, je vais aiguiser mon âme quand que je suis shiny, ce n'est pas une très bonne idée en fait. Là-haut, tu sais quoi? On va te laisser changer de zone parce que honnêtement... Tu te rendras jamais bien loin si tu restes de même. En fait, les photos, c'est vrai, c'est juste dans Freedom Unite. Fait que ça va être dans Freedom Unite, il va falloir le prendre en photo. Never mind, j'ai pas besoin de te prendre en photo, mon cher. Excuse-moi, je vais me cacher dans le buisson pendant que tu fais des choses là-bas. C'est un Lao Shanlong qui s'en va dans l'autre zone. On peut admirer sa grosse queue. Elle gigote bien comme faux dans l'eau. Ah, regardez-moi. En plus, on est caché dans l'ombre de la brouillard d'Irz. Qu'est-ce que je dis là? Je sais pas. Je voulais parler du brouillard, si vous n'aviez pas compris.
mais je suis bizarre. Fait que des fois, mes façons de parler peuvent être très étranges. Comme le Lao Shanlong ne veut jamais s'enfuir de moi. Enfin, il s'enfuit toujours de moi. Mais j'aime croire qu'il ment. Enfin bref, allons-nous-en maintenant. Et on a encore du... On dirait que quand je mets la caméra vers le haut, ça fait planter les choses. J'aimerais vous préciser que normalement, quand j'enregistre pas, j'ai aucun drop de FPS. Mais c'est normal en enregistrant. Et c'est très normal, en fait. Non, en fait, c'est normal en enregistrant. C'est normal que ça arrive en enregistrant. Oh my god, mon nez me pique! Ah, c'est vrai, je suis dans la superbe room démoniaque. Où c'est qu'il faut pas que je sois. Et la musique... Hey, c'est une autre chose qu'il faut que je parle, ça, la musique! La musique... Il faudrait quasiment que je fasse un top 10 de la musique que je préfère dans les Monster Hunter. Et je peux dire que... Qu'est-ce que Monster Hunter 3U a très... Il a eu de meilleurs... Ben, 3U et 3 en particulier ont eu mieux de 4U. C'est la musique. Parce que, tant qu'à moi, il n'y a pas vraiment grand musique dans 4U ou dans 4 qu'il m'a vraiment marqué. Tu sais, dans 3, tu l'entends, la musique, t'es comme « Oh, c'est nice! » Ben, pas toute. C'est sûr que c'est pas toute la musique qui est nice. Ben, en tout cas. La musique est affine. Tu sais, elle a une place dans 3. Dans 4U, tu sais, la musique de Frenzy ou d'Apex. En fait, je sais pas s'il y en a une pour Frenzy, je me rappelle même pas. C'est à ce point-là, tu sais. Normalement, je me rappelle de la musique parce que justement, quand ça me marque, bien, je m'en rappelle. C'est un petit peu normal, je dirais. Mais. La musique de Tree. Juste le CADEUS, tu sais, on la reconnaît très bien. Puis en plus, dans 4U, ils ont comme repris la musique de Jen Moran pour Darren Moran. Les affaires de même, ils ont pas tout. My god, les frame drop. Ah, les gars, on va vivre avec les frame drop parce que je sais pas pourquoi. Ah, God, ça me pique partout. Je suis en train de mourir. J'ai l'impression que j'ai des millions d'araignées sur moi. Ah, non, tu viens de tomber. Hey, je vais vraiment te laisser y aller, mon cher. J'ai quasiment le goût de couper la vidéo, en fait. On va t'attendre dans la dernière zone, sais-tu quoi? On pourrait quasiment faire ça, mon cher. Que tu as une belle face. Ça a été une belle photo, en fait, là. Il faut que j'aiguise mon arme. Fait que je vais me rendre dans la dernière zone. Je vais vous attendre avec moi. Puis on va le tuer, là, parce que sinon, on est rendu quasiment à moitié du temps déjà. Moi, à moitié du temps, ouais. J'assume que 15 minutes, c'est la moitié du temps. Pour moi, bon, je pourrais quasiment aller le dépasser, sauf que ça me donne rien de dépasser un low rank, vraiment. Mais c'est ça, fait que je vous amène vers la room finale. Qui est la room finale? Ta-na-na-na. Mais dans le fond, c'est ça, tu sais, la musique d'Apex, je reviens là-dessus, est bof, honnêtement. La musique d'Arène est bof, la musique d'Arène dans Tree était full awesome. La musique dans 4U est comme... En tout cas, pas mémorable aussi. Juste, peut-être que c'est à cause de la 3DS aussi. Tu sais, dans 3 pis 3U, j'ai joué ça à Wii U. Le son, c'était... C'est sûr que c'était de meilleure qualité. Mais je joue pas à 3U avec des écouteurs... À 4U plutôt. Avec des écouteurs souvent. Fait que c'est vrai que peut-être je manque quelque chose puis je m'en rends pas compte. C'est juste que je joue avec le son des 3DS. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment bon le son qui sort de là. Fait que, Marco, il n'y a pas vraiment de tune qui m'est sorti de l'ordinaire. Juste pour ça. T'sais, enfin bref. J'ai été un petit peu déçu de ce côté-là. C'est juste ça que je veux dire. Parce que dans Monster Hunter DOS aussi, la musique n'était pas vraiment changée. Mais White Fatalist, par contre, c'était quelque chose. T'sais. Et dans le premier Monster Hunter, on s'entend la musique du Lao Shanlong, ça disait tout. Et... C'est nostalgique pour moi, fait que je dois être biaisé pour ça. Enfin bref, je vais genre arrêter la vidéo tout de suite, puis je vais la repartir quand il va y avoir une face qui va être sur le point d'arriver de ma face. Ce qui est dans un bout, fait que je vous en reviens, genre tout de suite. Ok, je sais pas ce qui va arriver bientôt, ça fait comme un bout que j'attends. Un petit bout, fait qu'il devrait arriver dans pas si longtemps que ça, sauf que j'ai remarqué quelque chose en s'en venant ici. Je vais vous avouer que... De toutes les bases qu'on a à défendre, je pense que c'est celle-là la plus awesome. Parce que t'as comme juste un petit trou qui empêche le Lao Shanlong de passer. Mais bonjour aux pervers qui nous regardent là-bas. On peut-tu y faire un beau signal? Hello? Attends, peux-tu me montrer? Oh, Jesus! La Lao Shanlong est loin d'être partie. Tu sais pourquoi on va aller...
On va aller lui donner un petit boost de motivation parce que honnêtement, ça me tente pas vraiment d'attendre 10 minutes s'il n'y a rien foutre, surtout qu'il va pas avoir le temps de se rendre. Enfin, il va sûrement avoir le temps de se rendre. En plus, on peut lui donner un gros coup de Dragonator dans la face, il va sûrement aimer ça, non? Qui aime pas ça, un coup de Dragonator dans la face? Enfin bref, c'est vraiment la meilleure base en effet, parce que le feel, t'as le feel de genre, on est en train de se faire détruire par l'univers, c'est en plus un feel apocalyptique, pis t'as plus l'impression que ça sert à quelque chose que tu le rappelles en fait. Tandis que dans les autres, t'es comme genre dans une grosse population, tu sais, Dondorma. C'est pas vraiment, en tout cas, dans la grosse base avec toutes les affaires. Le Castel Shred aussi était awesome, mais c'est tout de Monster Hunter 1. Puis dans Monster Hunter 3, par contre, il n'avait pas pantoufle. Je crois qu'il n'avait pas pantoufle. Y avait-tu une base dans Monster Hunter 3? Jeez, non! J'essaie de se penser, puis je la vois pas dans ma tête, fait que ça doit dire, non? C'était le bateau, techniquement. Fait que, ouais, non, la best base dans Freedom Knight, c'était quoi, c'était pas grand-chose, c'était... Non, il n'avait pas, c'était dans Monster Hunter Dusk, il y avait l'autre place, qui était awesome aussi, sauf que, pas vraiment, à moins que c'était... Ah oui, c'était le village, ah, comme dans For You, sauf qu'il était moins évolué que dans For You. Ah, ok, mais il était mieux dans Dusk, il me semble. Le town. Enfin bref, j'espère qu'il a assez eu de motivation pour se rendre à l'autre bout du monde. Non, ça a l'air à ça. Ça a l'air à ça, il dort. C'est de la motivation, se dormir, non? Tu sais, quand tu dors, ça veut dire que tu te hâtes à la prochaine journée. Fait qu'il a hâte d'être rendu. Fait que là, comme je vais dormir, parce que j'ai hâte d'être rendu. Hey, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? On peut activer cette superbe habilité-là. Fait que, allons-y, activons-la. Si je peux bien. Oh! On voit absolument pas, mais j'ai fait un superbe front punch dans son ventre. Fait que j'imagine que ça y a fait mal. Ça a pas l'air d'y avoir fait mal pantoute parce que c'était plus dans son torse. Mais il aurait fallu que je m'oriente un petit peu mieux. J'aurais dû le faire dans sa face. Ça aurait été drôle. Puis il vient de se planter encore une fois. Jeez. Dire que j'ai de la misère à le faire à chair sang parce que il tombe pratiquement jamais justement. Puis là, il est tout le temps en train de tomber le gros bitch. Ça va plus vite que je l'attaque. Sauf que je vous ai quand même épargné du temps, parce que moi j'ai attendu, sauf que vous autres vous avez pas attendu. Fait que c'est pas si pire finalement. Fait que je veux juste te frapper la face pour te motiver à avancer un petit peu, pendant que eux autres ils te... Ok, ils avancent. Et il est quasiment rendu, fait que je pense que c'est le temps qu'on en retourne à la base et qu'on l'attende. Fait que let's go! On va aiguiser la terre, moi aussi, sur notre chemin de retour. Ah, Eden, est-ce que ça va? Oui, ça va. Down! Chi, je regardais pas où je m'en allais. Excuse-moi, petite queue qui voulait m'arriver d'en face. Je pense que j'ai eu le temps d'éviter ça. My god, la caméra a comme fait oh my god, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est plus moi qui ai fait oh my god, qu'est-ce qui se passe? Parce que la caméra a pas fermé en fait ça. Hey, on pourrait quasiment utiliser ça à la place. C'est mon cochon, c'est mon Poogie qui m'a donné un forecaster. Fait que je me suis dit, il faut bien l'utiliser à un moment donné. Je m'en vais-tu à la bonne place, moi? Où est-ce que je suis rendu? Jeez, je m'en vais pas à la bonne place, pantoufle. Des fois, il faut être stupid dans la vie. Yeah, attendez une seconde. C'est des marches là. Ah, c'est pas des marches. Ah, never mind. J'ai halluciné plusieurs fois à ces marches là, ça vient là. C'est ça que ça veut dire. On dirait qu'il y a des marches là. C'est peut-être la caméra des fois qui bug. Non, c'est mes yeux qui bug, je peux le garantir. Bon, enfin bref, bonjour, gang de Iopré. J'espère que vous avez une bonne journée. En plus, l'arme que j'ai, c'est pas ma plus forte, en passant. Fait. Ouais, juste pour vous dire comment que les monstres sont OP plus tard, puis que les monstres du début ne sont pas OP comparé aux monstres de la fin. Fait que, ouais. Il est temps de prendre un steak, n'est pas un steak. Il me reste 10 minutes, là. Come on. Come on, mon cher. C'est une longue vidéo, mais c'était mon but quand je l'ai fait. Fait que moi, hein. À moins que je la mette en deux parties, juste pour troller tout le monde. Non, je le faiserai pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui cliqueraient sur la vidéo si je le mettrais en deux parties. Si je le mettais en deux parties. Parce que justement, ça paraîtrait moins long. Sauf que personne ne regarderait la deuxième partie. Fait que est-ce que ça vaudrait la peine? Non. Pas pour moi. En fait, moi, ça me dérange pas. Mais en fait. On peut toujours. Avec YouTube, le YouTube se rappelle de quand on a mis notre. Quand on a arrêté la vidéo. Fait que si on l'écoute pas au complet, on peut toujours la prendre n'importe quand. Fait je me dis, toujours bien ça, tu sais. Ben, parce que moi, je n'écoute des vidéos longues des fois. Tu sais, je suis comme, oh non, je voudrais écouter ça, mais 40 minutes, c'est un petit peu long. Fait que. Des fois, je l'écoute, puis j'arrête entre temps, puis là, je m'en vais faire autre chose que je voulais faire. Genre, justement.
Parce que des fois, je me fais vraiment ralentir par les vidéos sur YouTube, tu sais. Ah, juste une autre vidéo, tu sais, ça sert à rien. Puis là, ça fait 2 heures que t'écoutes des vidéos, tu sais. YouTube est ma TV. Parce que j'écoute plus vraiment la TV. J'écoute YouTube à la place. Parce qu'il y a un peu de tout, honnêtement, sur YouTube. Ah, il est supposé s'emmener. Hey, c'est notre Pookie! Et son afro magnifique. Que tu as un afro magnifique. Attention, il y a la Ocean Long qui s'en vient. Donc, tu me donnes quoi, mon cher? Tu me donnes... Je suis pas capable de voir à cause de quelqu'un qui s'est connecté sur Skype. Il y a personne qui se connecte sur... En fait, Steam, il me le montre pas quand je suis dans un autre jeu. Il est comme intelligent, on dirait. Je sais pas si c'est supposé être de même. Fait qu'enfin, bref. Là, il faut le dommager le plus qu'on peut. Puis en plus, il y a quelqu'un qui m'a donné... Nomi m'a donné un boost d'attaque. Est-ce pas gentil, un peu? Puis t'as encore l'autre ordi qui est comme... Whop. C'est un beau Lao Shan Long, ça! J'aimerais ça pas le tuer, mais il va bien falloir que je me dégoudine un peu et que je le tue à un moment donné. Mais juste pas tout de suite. Je veux l'admirer avant. Fait que là, on vient de le massacrer un petit peu. My god, t'as aucune chance, mon cher, pauvre toi. T'aurais même pas le temps de te rendre au Dragonator si ça continue. En fait, peut-être que oui, vu que je l'ai pas dommagé vraiment, puis j'ai juste rien foutu le trois quarts du temps, en fait. Sérieusement, ça doit être un des Lao Shan Long que j'ai le moins massacré moi-même. J'ai pas fait grand chose. Hey, je suis supposé d'avoir une nouvelle attaque avec mes superbes. The fuck is that? Ok, attendez une seconde. J'essaye de voir qu'est-ce que j'ai fait. Ok, c'est ça que j'ai fait. Qu'est-ce que ça fait cette attaque-là? Tiens mon bitch! Je vais te bitch slapper! Tiens mon bitch! En fait, c'est supposé être un coup de bouclier, by the way. Sauf que j'ai pas de bouclier avec ça. Fait que ça donne l'impression que je donne un coup de main. Fait que yeah! Mais j'ai pas trouvé mon autre attaque, en fait. C'est supposé être... Ça! Ok! Je l'ai retrouvé, ma superbe attaque. Juste pour le fun, t'sais... Avez-vous déjà rêvé de glisser en dessous d'une tête de Lao Shanglong? Eh bien, moi, je l'ai fait. Vous pouvez me demander n'importe quoi, voyons donc. Je vais vous en parler. Fait que pendant mes ordi, le but, un petit peu, je vais aller me placer au Dragonator, puis je vais aiguiser mon arme. Puis après ça, ben, il devrait pas y en rester bien long. Mais je le sais pas, en fait, vu que je l'ai pas vraiment massacré non plus, et que j'ai pas mon arme la plus forte, et que je pèse tout le temps sur le fucking air pour monter, parce que là, je suis habitué dans For You, mais ça, faut lâcher le air, parce que sinon, ça ne catch pas. Ça n'était pas fait pour... Oups, je viens de sauter en Superman comme un con. Yeah! En ce moment, j'entends rien. J'ai l'impression qu'il y a genre pas de monstre qui s'en vient, puis je suis juste en train d'escalader pour le fun. Fait que ça me semble logique. Ah, mais non, il est là, gadon! Tiens, mon cher! Tu cries? Moi aussi, j'aimerais ça te dire hello. Mais ça vient l'heure que je ne peux pas te dire hello. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, moi je peux te le dire hello. Hello! Et je peux te le dire même bien comme faux. Hello! Mon cher, que tu as une belle face. C'est genre un moment idéal pour une photo. Regardez-moi ça, comment c'est perfect. En plus, il y a un gros sourire en face. Il est full content. C'est full magnifique. Je veux pas être méchant, mais je vais te rentrer avec des gros pics dans le corps. C'est peut-être qu'il va aimer ça. Qui c'est peut-être qu'il est sado? Oh fuck, j'ai comme pesé. Ah non, j'ai pesé. Perfectly. Il a l'air d'avoir aimé ça. Il est comme, oh yeah, encore une fois. Parce que sa face a l'air joyeuse, là, si vous me le demandez un petit peu. Je suppose que je suis... Ah, je suis là, je me suis vu. Hey, maintenant que je le sais comment le faire. En plus, c'est tellement... parfait, le bouton. C'est le même bouton pour sauter dans les airs, comme j'arrête pas de faire depuis tantôt. C'est ce bouton-là. Faut qu'on arpèse pour le faire, fait que, on est full plus manœuvrable dans Frontier aussi avec les armes, en fait, quasiment autant comme dans For You, ce qui est bien, parce que c'est niaiseux juste avoir cette attaque-là, ça change tout. Fait que, ouais. Ouch! Pourquoi tu m'as donné un coup de patte, mon gros bitch? Ah, il reste 5 minutes! Est-ce qu'on va avoir le temps de le tuer ou pas, finalement? Je commence à avoir mes doutes, parce que peut-être qu'il aurait fallu que je le massacre un petit peu plus, finalement. Parce que Okimi est OP, on s'entend. Okimi, c'est le plus OP des deux ordi que j'ai en ce moment. Parce que l'autre est pas vraiment OP. En fait, il fout rien, d'après ce que j'ai vu. En fait, il a l'air d'être en train de faire quelque chose. Peut-être un rapid fire. En ce moment, il fait rien parce qu'il s'est fait tuer les oreilles par le cri du Lao Shanglong. Peut-être que je devrais frapper. En fait, j'essayais de le faire tomber. Si vous vous demandez qu'est-ce que je faisais, c'est ça. J'essayais de le faire tomber. Sauf que j'ai comme abandonné, puis je vois que Okimi est en train de le faire. Fait que je laisse faire qu'est-ce qu'il fait. Même s'il a pas l'air de faire grand-chose, en fait, Okimi. Il me fait honte, des fois, Okimi. Hey, peut-être que je devrais l'utiliser. On va utiliser notre super mode. Awesome! Let's go! Let's kill him! Oh, attends une minute, on peut le faire!
Et dans les jambes, bitch! Hey, ça l'a tué en plus! Hey, c'était tellement parfait! Gros bitch, t'es mort avec mon coup de poing dans la jambe! C'était un coup de poing meurtrier en mou, t'as dit! Hey, ils m'ont léché une merde! What the fuck, ça a comme vibré un petit peu bizarrement. Ta bouche est un petit peu bizarre, mon cher. Mais what the fuck, la caméra est en train de virer folle! La caméra a viré folle. Ok, c'est correct. Je vais vous avouer que je m'en fous un peu d'avoir ces dépassages. Pourquoi je suis ici au juste? Ok, pour ça. Et les frames, mes frames ont comme droppé. Je pense qu'on va aller voir Poogie. C'est l'édition spéciale. On va aller voir notre nouveau Poogie qu'on a eu. On va voir de qu'est-ce qu'il va ressembler. Il va ressembler à un Poogie. Oh my god, regardez son œil. Ah! Il est comme... Pourquoi tu me tues? Il a tellement un œil triste en plus, pauvre Ti. On vient de tuer un dragon triste. J'ai quasiment honte. Et en passant dans Frontier, on a comme plus de dépassage. Fait que vous pouvez être sûr qu'on n'a pas le temps de tout dépasser un Lao Shenlong. Fait qu'il faut juste prendre le plus de dépassage qu'on peut. Puis on va dealer avec, ce qui n'était pas beaucoup. Tu sais, mettons que tu as 20 dépassages en tout. Je ne sais pas si c'est vrai. Ben oui, j'ai dit un nombre random et ça a donné ça. Fait que prenons tout le stuff qu'ils nous ont donné. My god, ils m'ont donné pas mal de points d'interrogation. Heureusement, j'ai pas à le faire tout de suite. Regardez, c'était quoi. Fait que ça m'a donné un gros 69 000. C'est parfait, 69. Et non, je ne veux pas m'acheter quelque chose. Oui, je sais, j'aurais eu 9 000 gros points adorables. Et ça aussi, je peux pas, parce que je suis à chair 100. Je suis à chair 100. Merci, ces points-là, j'y ai. À chair 100, bla 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 bla. Intéressant. J'espère que vous avez apprécié la publicité qu'ils ont foutu dans votre face. I sure did. Pas vraiment. Enfin, il l'avait pas avant, mais maintenant il l'a. Je sais pas, je me suis pas informé là-dessus. Fait que je sais pas c'était quoi. Je sais qu'il y avait un gros 500 dans ses jambes. Puis il était comme, il y a plus de choses à partir du rang 500. Et il y a pas mal plus de choses à partir de pas mal plus de place. Fait qu'on va aller ici. Et je pense que je vais pouvoir arrêter la vidéo après. J'ose croire, ça me tente pas de ranger mes choses. Vous avez pas besoin de me voir ranger les choses, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Et la connexion est quand même bonne, mais quand même sketchy un petit peu. Est-ce qu'il est vraiment là, mon Poogie? Est-ce que j'ai vraiment eu un Poogie? Ou peut-être que ça prend plus qu'une quête? Il me semble que ça prend plus qu'une quête. Ou peut-être que c'est pas ça pantouf que j'ai pris, mais il me semble que c'était ça, parce que c'était le deuxième Poogie. N'est-ce pas, attendez une seconde, petite mademoiselle. J'ai besoin d'aller voir votre option Poogies. Ok, fait que là, ils me disent que j'en ai un. Alors, je vais pas mettre 3 points là-dedans. Moi, c'était ça. Parce que ça, c'est 3. Je sais pas. Je m'en rappelle plus, ok? Honnêtement, je pense que c'est pas un Poogie. Parce que là, ça c'est les costumes. Ok, fuck des shit. Merci d'avoir regardé. Bye bye. Je suis tout perdu dans mes affaires.